comincio però con una domanda alla regista, alla quale vorrei chiedere questo. Questo tema, quello della guerra civile con tutte le sue conseguenze, mi sembra che sia ancora un argomento molto tabù, ancora di cui non si può parlare apertamente, ancora una ferita aperta. Quindi vorrei che ci raccontasse un po' il contesto nel quale nasce questo film. Bonsoir, merci, merci à vous tous, merci pour votre enthousiasme. Pour répondre à la question, il y a eu une littérature d'urgence pendant la guerre civile. Dans les années 90, il y a eu une profusion d'auteurs qui ont écrit sur témoigner, très peu d'images en revanche de la guerre civile, et peut-être qu'il fallait du temps aussi, il fallait une dizaine d'années pour qu'on donne du sens à ça, s'il faut en donner. Et pour ma part, je ne voulais pas raconter la guerre civile, mais je voulais raconter l'impact que ça a sur les gens. D'ailleurs, on le voit, le contexte est en 2008, donc 2008 c'est très particulier, 2008 c'est l'année, c'est 20 ans après la révolution d'octobre 88 qui met fin à un état totalitaire, un régime, c'est au multipartisme, mais à partir du moment où il y a le multipartisme, il y a aussi la naissance d'un parti islamiste, et qui va, une année, deux ans après, gagner les élections, dont le processus électoral est arrêté. Et de là démarrent les premières violences, et en 1917, c'est l'apothéose de la violence, avec des massacres grandioses. Par ailleurs, dans quelques jours, on va tristement commémorer les 20 ans de Bandelha. On a déjà commémoré d'autres massacres à échelle grandiose, enfin, dans des centaines de morts en ligne, égorgés méthodiquement. Et c'est un impact sur la mémoire collective, mais qui n'a même pas été, on n'a pas eu la possibilité de mettre ça avec des mots, avec l'histoire n'a pas été racontée formellement par l'école. Il y a une génération aujourd'hui qui ne sait pas qu'il y a une guerre civile en Algérie, parce que l'État, par la réconciliation nationale, a voulu mettre fin à toute velléité de vengeance. Pourquoi pas une réconciliation nationale, mais on ne peut pas en parler aussi. La réconciliation commence par le fait de mettre des mots sur ce qui s'est passé. Et il ne s'agit pas de mettre que des responsabilités, mais il s'agit de formaliser ça. Et passer à autre chose, juste qu'on ne passe pas à autre chose, on tourne en rond. Et donc j'ai choisi cette histoire qui est sous-jacente dans le film, par les personnages qui sont celle de Lima qui a les cicatrices concrètes, celle de Kader, le policier qui est une victime dont la famille a été massacrée, et de Amel qui va être le point de rupture en fait, avec une période, avec une idéologie, avec une vision, et puis la jeunesse a un point de vue, celle de la vie qui continue, avec de l'humour, avec une ambiance bigote, avec les travers d'une ville, une vie qu'on n'aime plus. C'est aussi un film de schizophrénie globale dans laquelle tout le monde est. C'est difficile de parler du film sans parler de l'Algérie, formellement. Voilà, et peut-être que par la suite, ça va ramener d'autres. Grazie intanto di essere qui, grazie per l'entusiasmo che avete manifestato nei confronti di questo film. Effettivamente quando c'è stata la guerra civile è nata anche una letteratura che appunto parlava esclusivamente di questo, e quindi alcuni autori hanno testimoniato di quel periodo, però stranamente, pur essendoci stati diversi autori, ci sono state poche immagini, forse perché bisognava darsi del tempo, bisognava aspettare almeno 10 anni per poter dare un senso a tutto quello che è accaduto. Io in realtà nel mio film non voglio raccontare la guerra civile, ma piuttosto l'impatto che questa ha avuto sulle persone. Il film è situato nel 2008, quindi 20 anni dopo la rivoluzione. Dopo la rivoluzione sono comparsi diversi partiti, 2 anni dopo ha vinto il partito islamista, ha vinto le elezioni, ed è lì che poi sono nate le prime violenze
con diciamo, il momento più culminante di queste violenze, che è stato il 97. Ancora oggi commemoriamo in questo periodo dei massacri terribili che sono avvenuti in quel periodo. Quello che mi interessava era soprattutto l'impatto di questa guerra civile sulla memoria e il fatto che in realtà non è possibile raccontarla, tant'è vero che la scuola non prepara neanche i ragazzi, non insegna, non racconta tutto questo. C'è una giovane generazione che sembra addirittura non conoscere l'esistenza di questa guerra civile. Tutto questo è avvenuto perché si è portato avanti un tentativo di riconciliazione nazionale proprio per mettere fine a qualsiasi velleità di vendetta, però è molto difficile riuscire ad arrivare ad una riconciliazione se non si parla di qualcosa, non si tratta di parlare per additare delle responsabilità, ma proprio per superare questa fase. E volendo raccontare appunto l'impatto di tutto questo sulle persone, ho scelto dei personaggi come Lina, che ha questa cicatrice che significa probabilmente che è stata aggredita, o il poliziotto Kadir, che è una vittima di quell'epoca, visto che gli hanno appunto massacrato la famiglia, e Amel, che rappresenta invece un punto di rottura, che vuole inserire un cambiamento nella sua vita. Poi ci sono i giovani, la vita va avanti, c'è chi si scontra con questo bigottismo che è un po' imperante, e c'è Algeri ovviamente, ed è impossibile, penso, riuscire a fare un film come questo senza parlare di Algeri. Innanzitutto, complimenti, è un film importante. Che distribuzione avrà in Algeria? E qual è la posizione del sindaco di Algerico, visto che vuoi ringraziare? Merci d'avoir noté che la mairie d'Alger a soutenu le film logistiquement. Alors, par rapport à la distribution en Algérie, la question est très vite réglée. Il n'y a pratiquement plus de salles à Alger. Ils sont en train de restaurer quelques salles. À peine une dizaine de salles dans la ville, dans la capitale. Le public a déserté les salles de cinéma, évidemment pendant la guerre aussi, pendant la guerre civile, mais ça faisait quelques temps que les salles de cinéma étaient en train de se vider. Il y a eu l'âge d'or des années 70, où évidemment on a eu Godard qui est passé par Alger, on a eu Klaus Kinski, Herzog, mais la réalité c'est qu'on n'a pas. Il y a eu un écroulement intellectuel qui s'est fait, pas un écroulement intellectuel, c'est pas le mot, je veux dire, il y a eu une désertification et petit à petit on a laissé les espaces de réflexion, de pensée, et la guerre civile n'a pas aidé évidemment. Donc, du coup, en termes de distribution, il va peut-être avoir une possibilité dans un festival à Alger, mais ça n'a aucun impact du fait que finalement c'est juste pour le protocole et que c'est juste un festival, il n'y a plus de public. Donc il n'y a plus de public, c'est pas qu'on ne peut pas construire un public, il faut le vouloir. C'est une volonté politique que de remettre les gens dans les salles de cinéma, c'est-à-dire qu'il faut réhabituer les jeunes, ça commence dès les scolaires. Les gens apprennent à regarder un film, apprennent à aller dans une salle. Avant de rénover des salles, il faut créer le public de demain, il faut créer l'industrie du cinéma, c'est-à-dire les écoles. La nouvelle génération algérienne qui va à Cannes, qui va à Locarno, qui va à Venise, qui va à Toronto, je me considère comme quelqu'un qui a fait un hold-up. On est tous autodidactes. Contrairement à nos aînés qui ont fait l'école russe, ou en France, ou en Belgique, nous, on a eu besoin. Un besoin important de mettre en image. Maintenant que nos films ne soient pas distribués en Algérie, je vous avoue que c'est le combat de quelques réalisateurs à Alger vis-à-vis du ministère. Le ministère, la délégation algérienne, est aux abonnés absents. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils ont sûrement d'autres priorités, peut-être pas celles qui nous concernent, nous, mais concernant le maire d'Alger, essaye de faire des choses, il essaye d'accomplir dans le pouvoir qui lui est
qui lui est donnée, c'est-à-dire réhabiliter des toutes petites salles de quartier, mais pour les réhabiliter, il faut du personnel, il faut de l'argent, il faut de logistique, il faut plein de choses. Et puis il faut, faire des scolaires. Moi, je suis convaincue qu'il faut repartir au cinéma à 5 ans, au minimum. Et voilà, pas de distribution d'Algérie, vraiment. Je rends hommage d'ailleurs dans le film à un film algérien, par ailleurs, qui date des années 80, je crois que c'est la dernière percée, c'est Laila de Belmoufa qu'on voit dans la télé, dans le film. Et oui, c'est un fantasme de la nouvelle génération. Souvent dans les discours aujourd'hui, on dit la nouvelle génération, ça n'a pas de sens de dire la nouvelle génération. Avec des individus, on est un peu éclaté. Ça aurait du sens si les institutions formalisaient les choses par des guichets de financement, on va aller chercher notre argent ailleurs, déjà. Il y a un problème, c'est-à-dire que si à partir du moment où on n'arrive pas à avoir nos propres guichets qui nous accompagnent, il y a déjà fondamentalement un problème. Après, oui, il y a des aides qui sont celles de logistique. Moi, j'ai eu aucun problème sur la logistique, concrètement. J'ai eu des décors qui sont institutionnels, qui sont gratuits dans le film. Grazie intanto per aver notato che citiamo il sindaco di Algeri che effettivamente ha appoggiato il film a livello logistico. Per rispondere alla sua domanda in merito alla distribuzione devo dire che la risposta è presto fatta. Purtroppo non ci sono sale ad Algeri, se ne stanno restaurando alcune, però ci saranno al massimo 10 sale in tutto. Ma il tutto non funziona anche perché soprattutto non c'è il pubblico oltre a non esserci le sale. Dopo la guerra civile è praticamente scomparso il pubblico, contrariamente a quanto invece era avvenuto negli anni 70, che è stato un po' l'âge d'or del cinema, o più che del cinema algerino, cioè Algeria ha ricevuto grandi registi come Godard, come Herzog, come o attori come Klaus Kinski. Poi c'è stato il deserto e certo la guerra civile non ha aiutato in questo. E, per quanto riguarda la distribuzione, forse ci sarà un festival da Algeria e faranno vedere questo film, ma non avrà nessun impatto, cioè lo faranno vedere per una questione formale, ma non avrà mai un pubblico perché è proprio una questione di volontà politica. Se vogliamo che ci sia il cinema in Algeria bisogna volere che ci sia un pubblico, bisogna darsi da fare perché si rinizi da zero fin dalla scuola per creare il pubblico e per creare anche un'industria del cinema. La nuova generazione dei registi algerini come me, quelli che vanno a Cannes, vanno a Venezia, vanno a Locarno, è una generazione fatta di autodidatti che non hanno fatto come coloro che li hanno preceduti degli studi alla scuola russa oppure in Belgio, tutti autodidatti e non c'è appunto una distribuzione, c'è qualche regista che cerca di darsi da fare, ma il ministero è assolutamente assente. Abbiamo un sindaco, sì, che cerca di fare qualcosa effettivamente con i mezzi di cui dispone, cerca di riabilitare qualche sala, però anche lui non ha molti soldi, manca di personale, manca di logistica, quindi non è certo un lavoro facile. Io credo che sia indispensabile ricominciare proprio dai bambini, bisogna cominciare quando hanno 5 anni che cominciano ad andare a scuola e allora lì cominciare a insegnargli che cos'è il cinema. Cerco di rendere omaggio anche al cinema algerino degli anni 80, c'è un film che si vede trasmesso in televisione a cui appunto che ho voluto usare proprio per ricordare che cos'era. Si parla spesso della nuova generazione, però in realtà questa nuova generazione è un po' non ha nulla che la renda coesa, sono persone singole messe un po' qui e un po' lì. Individui non uniti e credo che il grosso problema sia di tipo istituzionale, ci vuole appunto questa volontà per fare qualcosa, mentre invece diciamo che a livello per esempio logistico non ho avuto alcun problema, anzi sono stata molto aiutata. Mi chiamo Masolo e parlo l'ingegnere. Allora, per la realizzatrice ci potrebbe domandare sì, mi ha pa a pubblica o fede fico pur chi, se da dire
À niveau mondial, la consommation de cinéma est toujours croissante. Pas dans les salles de cinéma, mais par le web, par la télé, pour les autres plateformes, comme ça. Alors, est-ce qu'il est ou bien avec les marchés noirs, hein, les DVD, les choses comme ça. Je ne sais pas s'il y en a en Algérie. Mais est-ce qu'il est difficile de trouver les moyens aussi financiers pour faire des films comme ça chez vous? Alors, comment le fait? Et pour les acteurs, est-ce qu'il est facile? Facciamole una alla volta, okay. Perché non è detto che si riesca. Allora, intanto la domanda è questa. Si parla dell'assenza di pubblico in Algeria, mentre il pubblico a livello mondiale continua a crescita. Non mi riferisco, dice il signor Masullo, al pubblico unicamente delle sale cinematografiche, ma al pubblico in genere che usa piattaforme di vario tipo, che può essere il web, la televisione e così via. Sarebbe possibile anche in Algeria fare del cinema che ricorra a queste piattaforme? Alors oui, le marché noir est un véritable public en Algérie, réellement. Après, l'avantage aussi, c'est le piratage des chèques. Le film, vous le savez, puisqu'il a été acheté aussi par Ciné Plus, donc on compte énormément sur le piratage de Ciné Plus par la communauté algérienne à Alger, ils le font très bien. Non, mais plus sérieusement, oui, il y a très peu de chances et en même temps. Oui, moi, avant ça, j'ai eu l'expérience d'un court-métrage qui a été extrêmement vu en Algérie par le biais d'Arte. Donc du coup, je pense qu'à Alger, en Algérie, dès qu'il y a si peu de films, donc dès qu'il y a un film qui peut poser des questions, qui va créer le débat, ça va créer le débat, j'en suis certaine, pas prétentieusement, mais parce que je connais mes compatriotes, je sais ce qui est les intéresse, oui. Et donc du coup, je pense qu'il y aura toujours cette manière de passer par les DVD, comme s'il y a un grand DVD à partir du moment où le film a existé en VOD ou en DVD, ils se débrouilleront toujours. Aussi, les chaînes européennes, juste cette manière-là de rendre visible. Après, en France, il y a une grosse communauté algérienne, ça, ça on compte sur eux, on compte énormément sur eux aussi. Aussi, parce que c'est pas un film que d'une Algérienne fait pour les Algériens, par des Algériens. L'idée, c'est qu'on est aussi en prétend faire du cinéma. Donc, oui, le fond de toile est très algérois, il n'est même pas orani, il est algérois, c'est un parti pris, mais il est aussi la volonté de raconter un couple, des jeunes, qui vivent dans une ville, donc c'est un film citadin, et avec des préoccupations qui sont universel, parce qu'il s'agit de rupture idéologique et rupture en amour et une posture de femme, un point de vue de femme. Certo, il pubblico in Algeria è il mercato nero, c'è anche una grossissima attività di pirateria, pirateria anche delle reti che trasmettono il film, siccome lo trasmetterà Cine Plus, sono sicura che tramite la pirateria verrà poi vista, anzi ci conto pure. Ora, a parte gli scherzi, è vero che però la situazione è questa. Io in precedenza avevo fatto un corto che è stato visto moltissimo perché era stato trasmesso da Arte. E è anche vero che non appena un film può creare una discussione, diciamo, può alimentare la discussione e ha più probabilità di essere visto. Non lo dico perché mi sento così, perché sono pretenziosa, ma lo dico semplicemente perché so di cosa tratta questo film e conosco bene i miei compatrioti e credo che probabilmente l'unico sistema sarà quello dei DVD, piratati o meno. Poi certo, in Francia c'è una grossissima comunità di algerini e contiamo molto su di loro anche, ma non soltanto su di loro, perché questo
non è un film che è esclusivamente un film algerino fatto da un'algerina per degli algerini. È un film che secondo me tratta di argomenti che possono interessare chiunque, è sempre una storia di una coppia con una rottura, una storia di un amore che finisce, ci sono dei giovani, c'è una città, ci sono delle preoccupazioni di tipo universale, c'è la storia di una donna, la presa di coscienza di una donna, quindi dovrebbe andare al di là del semplice contesto algerino. Vuoi entrare rapidamente con l'esaltatore? Sì. Si refacit de jouer un rôle dans la société d'acteur, ou bien que si vous êtes approuvé par la société, ou il y a quel problème? La domanda è questa, è una cosa facile tra gli attori in Algeria, come reagisce la società rispetto a questo mestiere? Non, la question c'est facile de faire de jouer un rôle d'acteur dans votre société. Ah d'accord. Bah, la meilleure pour y répondre, ce sera Nadia qui fait depuis plus de 10 ans son métier en Algérie. Pas qu'en Algérie, moi en fait c'est. Moi je suis partie d'Algérie en 93, c'était l'époque où la guerre civile a commencé. Et très étrangement, je ne suis pas partie à cause de la guerre civile, je suis partie parce que je ne supportais plus le fait d'être une femme dans l'espace public algérien et je ne supportais plus le fait de ne pas pouvoir jouer normalement, pas exercer mon métier de comédienne le plus simplement du monde. C'était très compliqué. Et effectivement, pour en revenir à la schizophrénie que décrit Sophia, on en devient schizophrène parce qu'en même temps, on a envie de... De toute façon, c'est un métier de schizophrène à la base dans tous les pays du monde. Mais bon, en Algérie, c'est particulier parce qu'en même temps, surtout si on est une femme, on a envie de jouer, mais en même temps, on veut juste se cacher parce que ce qu'on reçoit comme retour n'est pas forcément très positif. Et puis la société algérienne, comme beaucoup de sociétés, est en même temps attirée par les comédiens. En même temps, il y a une attirance et en même temps une répulsion. Donc il y a quelque chose d'assez violent. Alors moi j'ai commencé, j'étais au lycée. C'est très compliqué de gérer cette image-là, c'est très compliqué de la gérer déjà quand on est une adolescente, etc. Dans les sociétés où avant la guerre civile, il y avait des problèmes. Avant la guerre civile, la société a toujours été une société assez conservatrice, assez patriarcale, mais on a quand même été marqué par la guerre de libération, donc les femmes voulaient s'émanciper, donc il y avait des programmes autour de ça, il y avait des tissus associatifs qui étaient très forts. C'est important aussi de parler de l'environnement, parce qu'un comédien n'arrive pas comme ça. On arrive, on est porté par des idées, et c'est vrai que moi, ma mère à l'époque, me disait « vas-y, fais-le, tu veux le faire, fais-le ». Je pense que 20 ans après, elle ne m'aurait pas dit ça. Voilà quoi, mes frères et sœurs aussi, qui était aîné, avait 15 ans de plus que moi, il disait oui, vas-y, c'est sympa, choisis de belles choses et tout ça. Je pense que 20 ans après, on ne dit plus la même chose. Maintenant, on dit plus facilement à quelqu'un, fais-le, sois comédienne. On sait combien c'est difficile. Alors la société était un peu conservatrice, là elle est beaucoup plus. Parce que là, on a creusé un sillon pour le conservatisme et toute la bigoterie qu'on peut attacher autour de ça, associer autour de ça. Donc c'est difficile d'être comédien en Algérie. Moi j'ai dû partir en ce qui me concerne. Je vais vous donner une petite anecdote. Je vais vous donner une petite anecdote. Io ho lasciato l'Algeria nel 93, proprio all'inizio. Je veux juste rajouter la fin. Mais il y a beaucoup de comédiens et de comédiennes qui vivent et qui continuent d'exercer le métier en Algérie. Alors ça, c'est tout à fait personnel. On peut ou on ne peut pas. Quindi, dicevo che ho lasciato l'Algeria nel 93, proprio all'inizio della guerra civile. In realtà non l'ho lasciata per via della guerra civile, ma perché non sopportavo più il ruolo che poteva avere una donna nello spazio pubblico algerino. Il fatto
non riuscivo più a recitare, a fare questo mestiere. E per tornare alla schizofrenia di cui si parlava prima, questa situazione ci rendeva tutti schizofrenici. Già il mestiere di per sé, il mestiere dell'attore lo è, però di fronte a una situazione simile era inevitabile caderci. Perché la donna in particolare aveva voglia di recitare, ma allo stesso tempo doveva nascondersi se voleva farlo, e spesso le reazioni che suscitava non erano affatto di tipo positivo. Anche se la società algerina era anche attratta dagli attori, c'era questa schizofrenia, appunto, l'attrazione ma anche il rifiuto. Personalmente io ho cominciato a recitare che andavo ancora al liceo, ma già prima della guerra civile la società algerina presentava dei problemi, era una società conservatrice, molto patriarcale. È anche vero che poi c'era stata la guerra di liberazione, la volontà di emancipazione da parte delle donne, quindi le cose erano anche un po' cambiate. Quando io ho espresso il desiderio di diventare attrice, mia madre mi ha detto: fallo, vai, recita. Probabilmente 20 anni dopo non mi avrebbe detto la stessa cosa. E io ho dei fratelli più grandi, delle sorelle più grandi, anche di 15 anni più grandi di me, che mi hanno incitato a fare questo mestiere, e se l'avessi detto 20 anni dopo probabilmente non avrei avuto lo stesso appoggio. Se la società era conservatrice all'epoca, oggi lo è ancora di più. C'è questo solco che si è scavato con il bigottismo che è venuto fuori, e quindi è difficile fare l'attore in Algeria, anche se molti attori esistono in Algeria e riescono a fare il mestiere. No, non ci sarebbe più che già detto. No, la même question. No, juste, moi je voulais juste dire que c'était je me permets de parler pour Adam, Amine et moi, qui vivons en France. Et moi je suis en Algérie et je suis partie très tôt, et je pense pas que j'aurais rêvé d'être comédienne en Algérie si j'avais grandi là-bas, et d'être en France. Et j'ai envie de parler de mon pays parce que il y a encore toute ma famille qui vit, et mon papa, et ça me fait énormément de plaisir, et je suis fière de ce film. Et donc je pense qu'on a cet avantage là, on est un peu protégé quand même, parce que nous on rentre chez nous après, enfin moi chez moi c'est à Paris, donc je me permets de parler, quoi. Je me permets de m'ouvrir parce que je suis un peu loin. Et puis, si on tape dessus, moi, je suis protégée. Mais c'est compliqué, ouais. Ouais. Comme l'a dit Nadia, il y en a quelques-uns. On les connaît. Mais il faut avoir les épaules pour... Et en même temps, ce qui est important de dire, c'est qu'à chaque fois qu'on est en Algérie, on est très bien reçu. À chaque fois, on se dit « Oh là là, on va nous tomber dessus » et tout ça. Et à chaque fois, on est super bien reçu. Donc c'est ça qui est étonnant maintenant. Moi, j'ai fait le premier nu, j'ai fait le premier baiser, j'ai fait... voilà. Et à chaque fois, je me disais « Je vais arriver, la conférence de presse, ça va être un cauchemar, qu'est-ce qui va se passer ?» et tout ça. Et les gens vous portent. Alors c'est toujours comme ça, très paradoxal. Je vais juste rajouter... Scusate, mi permetto di parlare a nome di Adamina e anche a nome mio, perché noi viviamo in Francia. Io devo dire, ho lasciato l'Algeria molto presto, e probabilmente se fossi rimasta in Algeria non mi sarebbe venuto in mente di fare l'attrice. Invece, stando in Francia, sono molto fiera di aver fatto questo film, ma è ovvio che sono in una posizione privilegiata, io sono protetta. E come ha detto Nadia, però è anche vero che ci sono persone che riescono a fare gli attori in Algeria. E poi ha aggiunto la signora che fa il personaggio di Amel. È anche vero che ogni volta che esce un film in Algeria poi finiamo con l'essere ricevuti molto, molto bene. La cosa mi sorprende. Io è capitato la prima volta che c'è stato un film con un nudo mio, oppure un bacio più spinto o qualcosa del genere, mi sono sempre detto alla conferenza stampa sarà un incubo, e poi invece non era vero, e questa cosa è molto paradossale.